cette édition 2021 des Nuits Blanches, la municipalité a invité des artistes de renommée internationale à investir les rues de Grosville, avec une programmation particulièrement osée. Comme cette œuvre de l'artiste français Pierre Joufflu, intitulée « Spaghetti électrique ». Ou l'installation de la japonaise Monokino Atashi, « Sexy Death ». Ou encore le très controversé « Migrant Go Home » de l'artiste américain John K. Wan. Une programmation pointue, mais totalement assumée par Jumeniel Frofroche, le directeur artistique des Nuits Blanches, qui n'a pas du tout été gêné par les restrictions dues au coronavirus. L'interdiction de la préfète de voir les œuvres à plus de 10 personnes, ça n'a jamais vraiment été un problème. Pour la simple et bonne raison que, de toute façon, quoi qu'on fasse, jamais personne ne vient. C'est vrai, je n'ai jamais vu un seul visiteur, à croire que les gens n'en ont rien à foutre de l'art. Mais soyons honnêtes, la raison de ce désamour est beaucoup plus triviale. Ici, la moyenne d'âge de la population dépasse les 80 ans. Alors à Grosville, quand c'est la nuit, on dort. Le samedi soir, tu te fais chier. La danse c'est pas ton trip et les filles t'es pas leur kiff. Alors deviens mon pote, le capitaine de soirée. Eh ouais mon gros, capitaine de soirée. Ta vie elle va changer, capitaine de soirée. Les keufs et les meufs, et bah c'est quoi vont t'adorer. Vas-y fais les picoler, t'es capitaine de soirée. Encore et encore, t'es capitaine de soirée. Ouais mais, c'est déjà l'heure de rentrer. Alors il te faut les aider, t'es capitaine de soirée. Ouais ouais. Dans la voiture, tout le monde dort. Pour eux, ça va pas fort. Mais pour toi, ça ne fait que commencer. Mets les dents le pré, t'es capitaine de soirée. Nique les dents le blé, t'es capitaine de soirée. Aïe aïe aïe, le lendemain, les autres ont mal partout. À la tête, mais surtout dans les trous. Dans les trous. Je me rappelle plus de rien. Mais toi, t'es frais, comme un capitaine de soirée. Tu sais ce qui s'est passé hier? C'est moi qui ai conduit. Non, pas eu de problème. Tu peux trinquer, alors petit popotin. Encore et encore, t'es pas capitaine du matin. Capitaine de soirée, tu ne bois pas, mais tu y mets les doigts. Covid oblige, l'interdiction des concerts de rue pour la fête de la musique vous plonge dans le désarroi. Heureusement, le ministère de la Culture grolandais a pensé à vous en éditant un CD spécial pour reconstituer à la maison l'ambiance magique de cette fête incontournable. La fête à la maison. Au menu, une sélection des meilleurs instruments désaccordés, des chanteurs les plus faux, des amplis les plus défectueux et des Larsen les plus stridents. Avec en bonus track des cris d'ivrogne, des bruits de bagarre et un best-of de fêtards en train de vomir. La fête à la maison, le CD idéal pour passer une inoubliable fête de la musique tout seul dans son salon. À déguster jusqu'au bout de la nuit avec une bière tiède dans un gobelet en plastique. Finalement, il n'y a pas que du négatif. Le Covid nous aura évité et la grippe et la fête de la musique. Ce soir-là, pour Contran, tout a bien commencé. Après plusieurs semaines d'approche avec sa collègue de bureau Misette, il est parvenu à obtenir un rendez-vous. Pour commencer, s'il vous plaît. Le jeune homme de 30 ans décide tout de suite de sortir le grand jeu. Dîner au champagne sur fond de musique romantique. Vers 23h, il emmène sa conquête au Poussidic, la boîte branchée de Grosville. Là aussi, champagne pour Contran et cocktail exotique pour Misette. Misette accepte de boire un dernier verre dans l'appartement de Contran, qui lui fait alors découvrir le rembissement excitant de sa 6-cylindres. Ouais, attends ça. Plus tard, dans son appartement, l'affaire prend alors un tournant décisif au moment où il approche les lèvres de sa conquête. Et puis, c'est le drame. Cette fois, plus de musique de fond de restaurant, fini les décibels furieux de boîte de nuit et les rugissements d'un moteur survitaminé qui font écran. Juste le silence. Les boissons gazeuses, on ne le dira jamais assez. Désolé. Ça ne convient pas à tout le monde. Yeah ! Chez nous aussi, cette semaine, c'était les convois de la liberté. Mais devant les boîtes de nuit, bien sûr.
Dans notre présipoté aussi, c'est le grand retour du disco. Les Grolandais dansent de nouveau sur les tubes des Bee Gees, dans des boîtes de nuit bondées, sans masque ni gestes barrières anti-Covid. D'ailleurs, si on sort le dredi, le lendemain reste tout aussi disco, puisque pour le coup, on a vraiment la fièvre du samedi soir. Pff, quel rabat-joie ce virus. Il nous pourrit même les lendemains de cuite. Après la fête des belles-mères, n'oubliez pas, ce gros manche, c'est la fête des ex. La semaine prochaine, c'est la fête des ex-belles-mères et dans 15 jours, la fête de celles qu'on aurait pu avoir. Suivie de la fête des belles-mères qu'on aurait pu avoir aussi. C'était un message de la Corporation des fleuristes précipotaires qui vous offre ce programme. Cette année encore, au Groland, la fête des beaux-frères peut se flatter d'avoir atteint ses objectifs. Plus de 400 morts en une seule soirée. Rappelons que l'idée de cette fête, lancée comme toutes les fêtes par des commerçants, est la suivante. Offrir à son beau-frère un joli cubiténaire de vin qu'il doit boire cul sec avant de prendre la route. Tiens mon beau-frère, je te fais un petit cadeau. Ah, quelle surprise de la piquette. Merci mon beau-frère. Viens donc par ici, ma sœur. Une tradition millénaire qui s'est bien assagie, puisqu'au début, le beau-frère buvait le vin dans le crâne de sa propre sœur. Ainsi, chaque année, depuis l'an 252, grâce à la fête des beaux-frères, le Groland se débarrasse de ses plus mauvais vins et de ses plus gros abrutis. Ça dit à la rédaction, on s'en foutait de tout, puisqu'on fêtait une nomination qui nous touchait de près. En effet, notre président a décoré son nouvel ambassadeur, il s'agissait en l'occurrence, et c'est une surprise de notre confrère Michael Kull qui quitte le grand reportage pour rejoindre la diplomatie. Cher monsieur Kull, votre expérience de journaliste aux quatre coins du monde pendant tant d'années, et surtout votre loyauté à mon égard, ont su faire la différence au moment du choix. De plus, vous avez toutes les compétences, vous êtes habitué aux hôtels de luxe, aux grands restaurants et aux vins les plus fins. Ambassadeur du bon goût grolandais, vous avez toujours été. Ambassadeur de Groland, ce soir, vous devenez. Il l'a fait ensuite chevalier de la Grande Amphore. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous en doutez, c'est avec joie que j'accueille cet honneur. Avec joie, mais aussi avec fierté. Avec fierté, mais aussi une forme de soulagement. J'aspirais à plus de calme, de tranquillité. L'émotion, sans doute. Ne vous inquiétez pas, il va mieux. D'ailleurs, le soir même, il en profitait pour organiser une petite réception en l'honneur d'une toute nouvelle citoyenne grolandaise. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût raffiné du maître de maison qui charme toujours les invités. Ah, Ferrero Rocher. Magnifique. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Chaque fois, je prends au moins 3 kilos avec ces réceptions à la con. Si après ça, elle comprend pas que je vais lui éclater la turbine à chocolat. Ferrero Rocher, l'expression du bon goût grolandais. Grâce au téléphone portable, les soirées entre amis sont toujours réussies. Nous rejoignons en direct l'un de ces samedis soirs que vous connaissez tous. Ça y est, c'est prêt. Ouh, les photos, c'est prêt. Chut, je vais vous montrer les photos, là. C'est prêt, regardez. Là, en fait, j'étais dans le métro et j'avais vu une souris dans les rails. Alors là, c'est une photo des tomates farcies que j'ai préparées pour Carmen et Gérard quand ils sont venus dîner. C'était bon. Bravo. Ça, c'est mes pieds. Non, là, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo. Alors là, c'est un nouveau appareil raclette. Ah, alors, ça, c'est incroyable. Ça, c'est un copain d'enfance que j'ai rencontré par hasard et ça faisait 15 ans qu'on s'était pas vu. Là, c'est une conduite de canalisation qui est dans mes toilettes et j'ai envoyé une photo au syndic. Comme ça, eh ben, ils se rendent compte du dégât des eaux. Ouh, ah, c'est mon chat. Là, c'est ma mère qui a chopé un psoriasis. Alors là, c'est incroyable. J'ai vu Bernard Ménès dans la rue. Alors là, c'est une paire de chaussures en solde à 39 euros. Ça, c'est Serge. Il fait le Gangnam Style. Ah, alors ça, c'est le bouquet de fleurs. Stop, 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 stop
On se fait vraiment chier. Ouais, allez, partez vite. Allez-y. Merci, monsieur. De rien, de rien. C'est normal. Ouais, ouais. Vous sauvez la vie. Merci. On a vécu. Stop. Merci. Et oui, les photos de vacances, c'est comme les paix. Hein. Il n'y a que les siens qu'on supporte. Ce soir, vous avez prévu de faire la fiesta ? Cette fois encore, vous n'allez pas faire les choses à moitié. Vin de propriété et cocaïne extra pure. On dirait qu'on va bien s'amuser. Mais attendez, vous êtes sûr de ne rien avoir oublié ? Bravo ! Avec la Sécu Fiesta Box, fini les ennuis. Mettez vos clés de voiture. Entrez le nombre d'heures ou de jours pendant lesquels vous comptez faire la fiesta. Et la Sécu Fiesta Box calcule pour vous le moment exact où vous pourrez reprendre la route en toute sécurité. Avec Sécu Fiesta Box, vous pouvez y aller à fond. Car la seule personne que vous mettez en danger, c'est vous. C'est la fête! C'est la fête!